essayer avec ce soir Annie Lemoine, Jean Benguigui, Franck Dubosc, Sophie Garel, Philippe Gueluc et Perry Cochard. Bon. Finalement, on l'a repris, hein. C'est sa deuxième fois, Perry. Oui, ça s'était pas mal passé la première fois. Souvent, hein. La deuxième, c'est meilleur. Hein. Super, mais aujourd'hui, on est vendredi 13. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se coucher. Bah, non, je vais pas me coucher, je préfère conjurer le sort, on ne sait jamais. Vous craignez une panne de courant? Ah! Mais oui, mais c'est comme ça, la tradition. Des pauvres, vous pouvez venir frapper à ta porte. Oh, c'est la tradition, mais c'est vrai. Va des rétro. Mais c'est vrai, c'est comme elle ça. Elle a raison de le dire, vendredi 13, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes superstitieuse, Annie? Non, mais j'évite de passer sous les échelles à cause de la peinture. Par exemple, là, derrière moi, il y a une échelle. Est-ce que vous êtes capable de passer dessous? Non, j'ai joué au loto, je veux pas tenter le diable. Donc tu passerais par-dessus, toi? Comme ça. Franck, vous passeriez, vous, en dessous? Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur, Laurent. Est-ce que vous êtes prêt? Non, je ne passe pas dessous. C'est Luc? Sans problème. Allez-y, montrez-nous, voir si vous êtes... Je vais vous dire, depuis l'année passée, le mardi 11 me semble beaucoup plus dangereux que le vendredi 13. Ah ben vous voyez. Sophie, derrière. Non, sans façon. Moi, il n'y a que l'échelle des valeurs qui m'intéresse dans la vie. Et vous, Jean-Benguigui? Jamais. Alors, il attendez. Est trop grand pour passer. J'ai sous une échelle. Chose pour vous, Benguigui. Ah non. Ah lui, il est superstitieux. Ah non, Laurent. Non, je m'en vais. Je quitte le plateau. Je m'en vais. Il y en a d'autres, et selon les cultures, il y en a d'états. Par exemple, une question, voir si vous connaissez ça. Arriver dans le parking, et voir sur sa voiture qu'il y a un pneu crevé. C'est signe de chance ou de malchance? Malchance. Eh bien non, de chance, parce qu'il aurait pu y en avoir deux. Je voudrais voir d'ailleurs qui est le plus chanceux ou la plus chanceuse d'entre vous six. Il y a six verres d'eau. Il y a un verre d'eau piégé. Ah, piégé avec quoi? Ça dépend. Quoi? Piégé avec quoi? Piégé. Poison? Piégé. Non, mais c'est pas grave, je vous rassure. Ah, alors, allez-y, venez vous servir. Perry pour commencer, puis les autres. Choisissez un verre au hasard. Allez-y tous les six en même temps. Allez, en même temps. Voilà. Ah, la chkoumoune! Moi, j'ai peur, la chkoumoune! En tout cas, je prends pas le verre. Moi, je prends le rouge assorti. Moi, je prends le premier. Alors voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à goûter l'eau. Bah moi c'est de l'eau. Vous c'est de l'eau. Alors c'était de l'eau de mer, de l'eau salée. Exactement, c'est de l'eau salée. Mais tu sais, les gens adorent les gens qui n'ont pas de chance. On adore les perdants en France. Et je suis sûre que j'ai un public qui ce soir me bichonne non, et qui c'est dit... Tout, c'est que les 5 autres sont... On peut aussi apprendre à guider sa chance et attendre que les 5 autres aient goûté avant de vider son verre. C'est vrai, c'est voilà. Pas con. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Moi, j'ai un truc, en tout cas, pour se torcher. Pour, pardon. Non, ça s'appelle du trèfle à 4 feuilles. Oh. C'est pour avoir du cul toute l'année. Allez, il est temps, je crois. De passer à la photo du jour, et c'est celle de George Bush que publie VSD cette semaine. Regardez le président américain. On voit, il est en train en fait de scier du bois. Il s'est rendu dans une école de charpentier à Pittsburgh. C'est assez curieux parce que ça prouve que bah, l'Irak, ça lui suffit pas. Il veut s'attaquer à la Syrie aussi. Passons comme chaque vendredi à la traditionnelle revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence par ce dessin de Charb dans Charlie Hebdo. On voit le président Bush en avion qui passe à travers son crâne. Il y a quelqu'un qui dit dans l'avion « On devait s'écraser contre son cerveau. T'as vu quelque chose, toi ?» Il
Le président américain est aussi la cible de Poncho dans Le Canard Enchaîné. Regardez qu'il donne des arguments pour attaquer l'Irak. Il dit, il faut attaquer l'Irak. Parce qu'il faut attaquer l'Irak. Et toc. Il n'y a pas d'autre... Ben Didi. Mais c'est marrant, ce type, comme régulièrement les présidents américains, il y a eu Ford, il y a eu Carter, régulièrement, il y en a un qui a une réputation de crétin. Ouais, et vrai. On dit, c'est le crétin, et tout le monde dit, il est crétin, mais il est gentil. Bon. Sur le même sujet, Pétillon, toujours dans Le Canard Enchaîné, regardez, pourquoi vous ne vous attaquez pas à Ben Laden, mais à Saddam Hussein? Et là, Bush répond tout simplement, parce que Saddam Hussein, on sait où il est, lui. Et oui. Allez, le dessinateur Pessin signe, lui, un dessin pas très optimiste dans le journal Le Monde. Regardez, on vit en ce moment l'après 11 septembre et personne ne peut dire combien de temps il durera. Ça fout la trouille, ça. C'est affreux. Hein? Bien vu, quand même. En plus, il y en a un chaque année. Hein? De quoi? Ah, 11 septembre. Mais peut-être plus pour longtemps. On a déjà tenu 2 jours, c'est pas mal. Autre sujet, maintenant. Pétillon nous montre un chef d'entreprise face à ses employés. Regardez. J'ai 2 nouvelles pour vous, chers employés. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Désormais, les heures supplémentaires seront moins payées. Mais vous pourrez en faire davantage. Et là, il y a un des employés qui dit, et la bonne nouvelle, c'est quoi? Eh ouais. Les 35 heures et le passage à 39 heures, hein, vous êtes au courant, on va en parler, on aura un sujet dans cette émission aujourd'hui. Les 35 heures vues par Pancho dans le journal Le Monde, c'est mon dessin préféré de la semaine. Regardez ce chef d'entreprise qui dit « ça aurait été tellement plus simple de garder les 35 heures et de passer l'heure à 80 minutes ». Ah, pas mal. Le Fred Touron a préféré, lui, regarder Bernadette Chirac, invitée dimanche dernier chez Michel Drucker, dans Vivement Dimanche. Et on voit Michel Drucker qui dit à Bernadette « Merci, Madame la Présidente, de votre visite. Vous revenez quand vous voulez. » Je sais qu'elle répond. Vous l'avez rencontrée alors une nouvelle fois, Bernadette? Ah non, c'était une séquence qui était enregistrée. Ah. Et qu'elle est venue, vous savez nous sommes voisins de l'Élysée, dans le studio de Drucker, et elle est venue à pied. Il paraît qu'il y a un souterrain, hein, entre le pavillon Gabriel et l'Élysée. Ça se construit, ça se construit, avec un tapis roulant automatique. Mais je veux dire, Bernadette et Michel, ils niquent ou pas? Michel, non, je m'excuse. Michel est un homme fidèle à son vélo et... et à sa chienne. Allez, on termine par des dessins de Philippe Geluck, je crois, un dessinateur qu'on peut voir dans VSD. Docteur, il est chez son psy, chez Gérard Miller peut-être, hein, le chat. Il dit, docteur, je n'arrive pas à être drôle sur le sujet du 11 septembre. Et le psy lui répond, mais personne ne vous le demande. Bravo. Mmh. Toujours à propos de la commémoration du 11 septembre, regardez son chat qui dit « On ne pouvait pas mettre moins de 2 bougies sur le gâteau du premier anniversaire. » Joli, non? Autre sujet. En janvier 2000, Martine Aubry, ex-ministre du Travail, instituait les 35 heures comme durée légale du travail pour les entreprises de plus de 20 salariés. Les effets escomptés s'avèrent être moyens, à tel point que François Fillon, l'actuel ministre du Travail, s'emploie à modifier l'application et le fonctionnement des 35 heures, voire même de revenir aux 39 heures. Rassurez-vous cependant, les RTT, elles, ne vont pas sauter, au contraire, sauf que maintenant, RTT, ça voudra dire « retourne travailler, trouduc ». Sophie Garel... Sophie Garel a justement fait des heures supplémentaires pour aller tester le retour aux 39 heures avec une machine à pointer, Sophie. Dernier cri. Regardez bien, c'est une caméra pointée et cachée par Thierry Andréot. Bonjour, Sophie Garel. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le retour aux 39 heures. Monsieur, s'il vous plaît, l'inspection du travail. Oui. Vous avez été détecté par la machine. Nous avons mis en place dans plusieurs usines et entreprises ces machines. Ouais. Vous êtes fiché à l'intérieur de ces machines et nous savons d'ores et déjà que vous n'avez pas fait vos 39 heures. Bah ici, on fait 35 heures. Et il va falloir rattraper ces rétroactifs. Et est-ce que vous pourriez venir dès demain matin rattraper les heures qui vous manquent de la semaine dernière? Non, ça ne m'intéresse pas, moi. Pourquoi? Ça ne vous intéresse pas, mais c'est une loi. Elle est pour tout le monde. Bah, la loi. Mais nous, on va lutter contre cette loi. Vous allez avoir des problèmes avec la direction. La direction, moi, j'ai toujours des problèmes avec eux. Je suis délégué syndical. Monsieur, s'il vous plaît, inspection du travail. Et à partir du 1er septembre, vous êtes supposé travailler 39 heures. D'après la machine, vous ne les aurez pas faites. Est-ce que vous êtes prêt à rattraper ces horaires manquants? Compte tenu de mes horaires de travail actuels, vous répondrez tout simplement non.
Ah, et alors comment pensez-vous rattraper ces heures manquantes sur le... depuis le 1er septembre? Mais tout simplement, je me débrouillerai avec mon patron pour qu'il m'en fasse cadeau. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Monsieur, s'il vous plaît, inspection du travail. Il semblerait que vous n'ayez pas fait vos 39 heures la semaine dernière. Ah bon? Il faudra les rattraper. Mais allez... moi, ma hiérarchie m'a rien dit. À ce moment-là, vous pouvez partir plus tard aussi. Là. Mais je pars plus tard, vous voyez. Ouais. Enfin, mais beaucoup plus tard. Attendez, c'est quoi? Combien j'ai pas fait d'heures de combien là? Ah, donc vous viendrez demain à 6h par exemple? Non, pas question, je bouge pas mes horaires. Monsieur, s'il vous plaît, l'inspection du travail, vous avez été flashé par notre machine. Vous savez que nous repassons aux 39h? Ouais, mais nous on est aux 35h déjà. Oui, mais maintenant ce sera 39. Ah, vous avez pas écouté les informations? On change de chemise comme de France qui va, 35, 39, on va mettre à 40. Non, là c'est 39. Ouais, mais ça passe qu'ils veulent exactement. Hein. Donc, quand ils voient qu'ils ont fait une connerie, ils changent leur truc d'épaule, leur fusil d'épaule. Sophie, c'était pas facile. Hein. Non, c'était pas facile. Et en fait, celui qui a été le plus sympathique et qui était le plus concerné, c'était le petit délégué syndical qui, lui, défendait avec sincérité ces 35 heures. Les autres, où ils étaient blasés, où ils disaient, bah, attendez, les 39 heures, il y a longtemps qu'en effet, les 35 heures, c'est sur le papier, mais regardez à quelle heure je sors. Ou alors, ils étaient très dociles. C'est ça qui m'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez, Ben Guigui, vous? C'est très compliqué parce que il y a un truc pour moi, c'est oui, lié. Tu as déjà dit il y a un truc. Ça c'est le travail obligatoire. Non, c'est vrai que même les spécialistes du droit du travail, les politiques, quoi, n'y comprennent rien. On va pas nous demander à nous maintenant d'expliquer l'intérêt des droits. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le baron Célière, là, le président du MEDEF, eh ben il a tapé sur la table quand même parce que lui il veut un retour aux 35 heures sans négociation et il y a un truc avec le gouvernement aux 39 heures. Vous voyez qu'on comprend rien. Aux 39 heures. Alors moi j'aimerais bien quelqu'un qui vienne sur ce plateau nous explique. Ça tombe bien. Voilà, écoutez, on va accueillir tout de suite une patronne de petite moyenne entreprise PME comme on dit et en plus elle est présidente d'éthique. Éthique, ça veut dire entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance, et ça appartient aussi au MEDEF. Voici Madame Sophie de Menton. On va pas la laisser debout, cette dame. Excusez-moi, tenez, je vous donne. Bonjour, Sophie de Menton, je suis Franck de Grand-Quevilly. Voilà. Alors, vous connaissez tout sur les 35 heures et les 39 heures. Dans votre entreprise, vous étiez déjà passé aux 35 heures? Oui. Combien vous avez d'employés? 700. 700? Oui. Ah oui, quand même. Ça déconne pas. Quel genre d'entreprise? Télémarketing. Téléservice. Ah. Vous êtes la... La PDG, PDGR même. Quand vous avez dû passer aux 35 heures, est-ce que vous, en tant que patronne de cette entreprise, vous étiez favorable aux 35 heures ou défavorable? Ah mais alors totalement défavorable. Alors maintenant, on vous dit, il faut revenir aux 39 heures. Oui, c'est très difficile et je crois qu'il y a vraiment... Je vous entendais parler de 35 heures, 39 heures, etc. Il y a un concept quand même qui est simple, c'est le temps choisi. Et je crois qu'il serait temps en France qu'on arrête d'opposer les patrons qui veulent que les salariés bossent plus, les salariés qui soi-disant veulent bosser moins. Je veux dire, il y a un temps choisi. Je pense qu'il est temps que les entreprises puissent négocier avec leurs salariés. Vous n'êtes pas pour une loi, donc comme M. de Sellière qui veut, lui, que ce soit législatif, cette affaire-là. C'est-à-dire que je le comprends et finalement, je me suis posé la question. Ce qu'on fait par la loi, ce serait pas mal de le défaire par la loi. Parce que c'est bien gentil de nous filer une loi en nous disant vous allez travailler 35 heures. Bon, ben, on est obligé, c'est une loi. Puis après, on nous dit débrouillez-vous, il n'y a pas de loi. Donc, ce n'est pas logique. Mais ne me regardez pas, ce n'est pas de ma faute, madame. Si, je me demande. Alors, le vrai problème qu'on essaie d'être clair, c'est les 4 heures qui séparaient les 35 des 39 heures, quand on les faisait, pour ceux qui étaient déjà passés aux 35 heures, étaient compensées. C'est-à-dire qu'après, on avait le droit à prendre quelques jours de repos, c'est ça? Je ne comprends même pas ce que vous dites, mais ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple... Lui non plus, là, on m'a expliqué d'abord que ça allait créer des emplois. Alors d'abord, je lance 500 000 emplois, ouais. Démarquer le bout. Alors je lance un appel, je cherche quelqu'un qui serait standardiste de 9 à 10, ensuite comptable de 10 heures à midi, ensuite qui s'occuperait des ressources humaines pendant 3 heures. Donc c'est le coût, si vous voulez, de saucissonner le temps, les entreprises et les gens, c'est absurde. Vous étiez contre les 35 heures, vous les avez appliquées, contraintes et forcées. Maintenant, on vous dit, on supprime les 35 heures, on repasse à 39 et vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est pas des pions, mes salariés. J'ai beaucoup de mal. D'abord, premièrement, à la limite 35-39,
c'est pas un drame. Le vrai drame, c'est l'RTT. Si je me permets de vous couper deux secondes, j'interviens sur ce que vous avez dit à Laurent, le fait qu'il ne comprenait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Vous voyez, nous, on passe plus de 35 heures à ne pas comprendre ce qu'il dit. Et je peux vous dire que c'est très difficile. Alors, si on pouvait même passer à 15 heures, ce serait bien pour nous. Parce qu'on est vraiment rien. Je me permets d'être clair. Non, mais... Je vous ai coupé. C'est important. Tout ce que je sais, moi, c'est que jusqu'alors, grâce à cette solution des 35 heures et ceux qui pouvaient faire des heures supplémentaires de 35 à 39 heures, ces 4 heures supplémentaires étaient payées parfois avec une augmentation de 25% du salaire horaire, hein, on va dire. Oui, mais ils avaient déjà été, les 35 heures avaient déjà payé des 39, donc déjà il y a eu une augmentation, ce qui fait que maintenant, comme vous allez avoir simplement 10%, si vous rajoutez l'augmentation d'avant, de fait, vous y gagnez sans là, compter... Là, c'est moi qui... Vous... Je comprends plus, là bien, je comprends rien. Sans compter que vous avez les RTT. Oui, et alors... Qui eux restent. Bon, mais... Vive les vacances! Annie, le moine. Annie. Quand on est passé aux 39 heures, les patrons tenaient le même discours que vous. Comment on va faire? Et puis ils ont fait. Donc les 35 heures, ils pour ont moi. Fait, vous avez vu le nombre de faillites, les, là, les en septembre? Les 35 heures, pour moi, c'était une avancée sociale. Voir... Et je pensais que tous les salariés diraient youpi, 35 heures, c'est merveilleux. Eh bien non, il n'y en a qu'un peu plus de 1 sur 2 qui est satisfait. Les cadres, ben, y a du bon les, cadres non, les cadres sont contents, c'est ce qu'on lit dans les sondages. Les cadres sont contents parce que d'abord, eux, ça leur a permis de gagner effectivement quelques heures de congés par semaine. Ils ont 10 jours de vacances minimum. Ils ont un salaire convenable. Effectivement, les employés et les ouvriers, ceux qui gagnent moins, eux, avoir un peu plus de temps, ça ne les arrange pas s'ils n'ont pas plus d'argent pour pouvoir évidemment voilà. profiter de leur temps libre. J'ai bien résumé la question? Très bien. Parfait. Bravo, mais Laurent. Vous comprenez. Bravo, Laurent. Bravo, patron. Et voilà pourquoi, termine. Voilà pourquoi une mesure qui, au départ, aurait dû être populaire auprès des couches, on va dire, les catégories sociales les moins élevées, finalement, ne l'a pas été du tout, parce que les gens qui voulaient travailler un peu plus pour pouvoir gagner un peu plus d'argent parce qu'ils en avaient besoin, eh bien, ne pouvaient plus le faire. On est d'accord? Moi, je pense que c'est un signe très encourageant, parce qu'il y a quand même une question de bon sens. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vous allez gagner de plus en plus, bosser de moins en moins... On peut leur dire, on peut leur dire, ça fait plaisir d'entendre. C'est sympa, quand même, comme discours. Mais ils l'ont pas cru. Oh, excusez-moi. Je viens de terminer mes 35 heures, on est vendredi. Je suis désolé, je m'en vais. Au revoir, messieurs, dames. Sur un week-end. Au revoir. Au revoir. Je voudrais qu'on conclue avec vous, madame de Menton, une dernière phrase, un petit résumé de la situation. Qu'est-ce que vous vous souhaiteriez? Le temps choisi. Le temps choisi, ouais. C'est-à-dire que... Le temps choisi, négocié... Mais individuellement ou selon les entreprises? Selon les secteurs. Vous voyez, on les oblige à... Oh, tu arrives tôt ce matin. Voilà, t'as boué. Ah, je commence avant, moi. Ah bah oui. En tout cas, si vous deviez négocier avec tous vos employés ce temps de travail choisi, vous avez 700 employés, vous leur consacrez à chacun 3 minutes pour négocier. C'est un problème de 3 maths. 3 fois 700, mais ça vous fait 35 heures de négociation. Comme oh, quoi, c'est le début de l'année, hein, on se chauffe un petit peu. J'ai une petite blagounette à vous faire. Vous voyez ce qui est écrit là-dessus? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez prendre ceci dans vos deux mains comme ça? Pas trop fermement, avec la délicatesse. Qui me caractérise? Ce qui vous caractérise. Doucement, tout doucement. Est-ce que vous pouvez dire 3 fois ce que vous avez lu, s'il vous... Attendez, allez-y. Allez-y, 3 fois. À vous. Green, green, green. Allô? Il y avait longtemps. Vraiment, il y avait longtemps. Merci. Madame de Menton, vous remercie. Vous avez été très claire, très précise. J'ai essayé de vous comprendre, vous avez essayé de me comprendre. Oh, puis on s'est entendu. Hein, parfait, on a tout compris. Bah, je viens quand vous voulez dans votre télémarketing. Très bien, bah, je recrute. C'est vrai? Oui. Il y a Pierre Belmar qui cherche du boulot. Allez, merci Madame de Menton. Merci, au revoir. C'est un livre que nous allons tester maintenant. Dès mardi prochain, vous pourrez trouver en librairie les mémoires de Sophie, publiées aux éditions de Fallois. Sophie Desmarais y raconte sa vie. 80 printemps ensoleillés par le théâtre, le cinéma et la télévision. Complice de Jacqueline Maillan, Jean Poiré, Michel Serrault dans Les Grands Enfants à la télévision. Reine du théâtre du boulevard avec par exemple Fleur de Cactus. Elle a été aussi la partenaire préférée des plus grands, de Louis de Funès à Bourville, par exemple dans Le Mur de l'Atlantique. Première femme à s'imposer dans Les Grosses Têtes à la radio, Grosses Têtes de Philippe Bouvard, c'était dans les années 70-80. On peut la considérer comme faisant partie de notre famille partout en France. C'est un plaisir pour moi que d'accueillir Madame Sophie Desmarais.
Sophie Desmarais, bonsoir. Bonsoir. Je suis très, très heureux de vous recevoir. C'est très gentil. J'ai une admiration pour vous depuis longtemps, je dois dire. Vous savez, j'ai 80 ans. Oui, alors... 80 printemps, je préfère dire. Voilà, enfin, disons... Alors, ça fait combien l'hiver? À peu près autant, normalement. Bon. C'est la première fois que vous publiez vos mémoires? On m'avait demandé il y a des années, et on m'avait même donné un gros avaloir. Et puis j'avais dit non, je ne suis pas capable, et j'avais rendu les ronds, ça m'avait rendu malade. Et pourquoi maintenant, alors, d'un seul coup? Parce que tout d'un coup, non, ce n'est pas d'un seul coup, mais j'ai eu la douleur de perdre mon mari. J'étais très, très désespérée. Et Pierre Barillet m'a dit, écoutez, Sophie, allez, vous savez, quand on a un problème, on écrit ou on va voir un psychiatre. Alors, les psychiatres, moi, ce n'est pas tellement mon truc. Et donc, alors, vous avez écrit. J'ai écrit, voilà. Parfait. Les mémoires de Sophie. Alors, il y a des malheurs et des bonheurs dans ces mémoires. Surtout beaucoup de bonheur. C'est vrai? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Vous ne regrettez pas d'avoir fait ce métier d'artiste, de comédienne? Je ne le regrette pas. Ce n'était pas ma vocation. Je l'ai fait... Enfin, j'ai essayé de le faire le mieux possible pour faire plaisir aux gens, mais je m'en serais très bien passé. Vous avez fait plaisir aux gens, en tout cas. Moi, je vous le dis, parce que quand je vous voyais dans les pièces de théâtre, quand je voyais au cinéma, quand je vous écoutais aussi à la radio, il y a toujours une distinction chez vous. Vous arrivez parfois, vous arrivez à interpréter des personnages un peu vachards, où vous disiez des choses un peu perfides, mais toujours avec délicatesse. Oh là là! Tu parles. Si vous viviez avec moi tous les jours, vous diriez pas c'est ça. C'est pas... Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les jours? Parce que je suis pas... Je suis bien moins sympathique que j'en ai l'air. C'est pas vrai. Non. Et puis je suis surtout solitaire. C'est vrai? Oui. Je suis sourde, j'ai un appareil. Et vous savez que ça n'arrange pas le caractère. Mais là, vous m'entendez bien. Parce que j'ai un bon appareil. Sophie Desmarais, vous avez lu ses mémoires. Sophie Garel, une autre Sophie. Alors, on pourrait être vachard, puisque vous dites de ne pas bien entendre, mais on n'a pas envie de l'être. On ne va pas dire de vacherie. Parce que ce bouquin, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin sans complaisance. Et dès le début de son livre, Sophie Desmarais, eh bien, se regarde en face, même si ça ne lui plaît pas toujours. Elle dit, elle s'accuse d'être ainsi, elle se juge, pas toujours gentiment. Elle est sévère avec elle-même, et ça, je trouve ça, ça surprend le lecteur, et en même temps, je trouve ça formidable d'être capable de s'accuser soi-même. Après, alors, elle passe en revue toute sa vie d'actrice qu'elle a survolée un peu, car sa vie était un peu ailleurs. Elle parle en fait d'amour, et c'est ça qui est bien dans son livre. C'est un livre de femme, c'est pas un livre d'actrice, à mon goût. Mais je suis plus une femme qu'une actrice. Je ne me suis jamais sentie une actrice. Oui. Sauf le soir, j'entrais en scène et puis j'allais de tout mon cœur parce qu'il y avait le public qu'il fallait rendre heureux et j'y allais, voilà. Et vous avez joué, hein, pas qu'un peu au théâtre, quand longtemps, même. Je jouais 4 ans, 3 ans et j'ai toujours fait les tournées parce que je trouve correct de faire les tournées étant donné que beaucoup de provinciaux viennent nous voir au théâtre. C'est normal d'aller les voir. Philippe Gueluc. J'adore, bien entendu. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Sophie, ouais. Mais je voudrais citer la fin de votre livre. Je ne dévoile rien, mais vous dites, après tout, ce n'était peut-être pas aussi idiot que ça de choisir pour métier de faire l'andouille. Oui. C'est réconfortant pour nous tous, parce qu'on se pose souvent la question. Oui. Je voudrais vous remercier pour l'amour que vous dites avoir eu et avoir toujours pour les chats. Et oh, vous savez j'adore. Que c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir placé cette photo au centre au centre du bouquin. C'est mousseline, actuellement. C'est mousseline. En ce moment, c'est mousseline. Mais j'ai eu Cosette et D'Artagnan. C'était le frère à la sœur. Il n'arrêtait pas de faire crac-crac. Et je disais à D'Artagnan, mais c'est ta sœur. Tiens-toi, ils s'en foutent. Alors, j'ai découvert aussi, en lisant ce livre, que votre prénom, c'est pas Sophie, en fait. C'est Jacqueline. Jacqueline. Comment vous êtes passée de Jacqueline à Sophie? Mais parce que je me disais Jacqueline. Il y a beaucoup de Jacqueline. Sophie, on n'avait pas encore. Au début, j'osais pas. Je faisais démarrer. Puis petit à petit, j'ai dit Sophie, et voilà, je m'y suis faite. Et ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, après, vous avez croisé dans votre carrière, vous avez été amie très longtemps, avec une autre célèbre Jacqueline. Qui était Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan. Et je l'aimais beaucoup. On était absolument l'opposé. Elle n'aimait que le théâtre, être sur scène. Mais c'était une fille épatante quand on la connaissait bien. Jacqueline Maillan, dont le véritable nom était Sophie Maillan. Annie Lemoine. Moi, je suis tombée des nues parce que c'est vrai que je vous dois des rires au théâtre ce soir, donc je vous en remercie. J'ai passé des bons moments grâce à vous.
Mais je trouve que c'est pas le livre d'une femme heureuse et ça m'a un peu bouleversée. On a l'impression que vous avez subi une vie qui n'était pas la vôtre. C'est la vôtre, vous l'avez vécue. Mais on sent fondamentalement que c'était pas ça votre vie. Et c'est ça qui est bouleversant. J'y allais et je gémissais. Mon mari me disait arrête, si t'étais chez Citroën en train de tirer des boulons, on ne comprendrait. Alors ne nous emmerde pas, va faire l'actrice. J'y allais. Perry, tu as compris, tirer des boulons dans une usine? C'est les ouvriers qui font ça dans des usines. J'essaye. Perry Cochin, justement, vous avez lu Les Malheurs de Sophie chez De Fallois Éditions? Oui, les mémoires. Les mémoires de Sophie. J'ai dit quoi? Les malheurs. Ah bah oui. Ça devait arriver. Je vous souhaite autant de succès. C'est pas fini. Je vous souhaite autant de succès que Les Malheurs. Voilà. Alors, je l'ai lu, je ne connaissais pas bien votre carrière et ça m'a permis de découvrir plein de choses que je trouve intéressantes, sympathiques. Par moments, on rit, par moments, on est un peu plus triste. Mais moi, j'ai une question qui est un peu perso. À un moment, vous dites, vous racontez une anecdote où votre père vous a oublié dans un vestiaire pendant plusieurs heures parce qu'il allait nager. Et je voulais savoir si ça vous avait vraiment traumatisé, parce que moi, ça m'est arrivé. Pas du tout. C'était au Racing, et j'attendais papa, et j'ai lu des journaux cochons. D'accord. Il y avait le rire, il y avait tout ça. Cochon. Moi, j'ai oublié un de mes enfants. Et ça m'a bien plu. Vous les avez oubliés où? À Courchevel, on partait. Ah oui, ça vous La mère, c'était en vacances. J'avais pas la cuisine. C'était avec nous dans la voiture. Et je pars de l'hôtel et on arrive en voiture, en taxi jusqu'à la gare. Oh. Et coup de téléphone, le concierge de l'hôtel me dit Madame Cochin, vous avez oublié quelque chose. Je dis quoi? Une Game Boy, un truc? Non, votre fils. Je lui dis mais c'est pas possible. Lequel? Il me dit Aristide. Et donc on est remonté le chercher. Aristide. Et on est remonté le chercher. Alors, on a évoqué le théâtre. Le cinéma, vous dites que j'ai fait des films... Le cinéma, je ne me suis jamais penchée dessus. Voilà. Je me dis chouette. Quand même, là, le mur de l'Atlantique. Ah, ça, c'est un grand souvenir. Avec Bourville. Parce que Bourville, je ne le connaissais pas. Et c'était quelqu'un de merveilleux. Je ne comprenais pas pourquoi on s'arrêtait à 5 heures tous les jours. Et j'ai compris, il allait se faire des rayons. Il est mort d'ailleurs après. C'était son dernier film. Il ne s'est jamais plaint. C'était un homme délicieux. Et puis, alors, il y a les grands-enfants. Cette émission, c'est une émission où Jean-Yann, Jean Poiret, Jacques Martin aussi, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Jacqueline Maillan, Francis Blanche, se réunissaient et ils faisaient les cons. Et c'était des jeux. Alors, j'avais envie ce soir que vous soyez la marraine d'un jeu des grands-enfants qu'on pourrait faire entre nous. C'est pas compliqué, je vais demander à toute la petite bande de sortir de ce studio. Oui. À part Philippe Gueluc, vous serez le premier à jouer. C'est le principe du téléphone arabe, mais en mime. Faisiez ça à l'époque des grands-enfants? Pas vraiment. On avait des thèmes. Enfin, allez-y. Je vais expliquer le jeu. Expliquez. Il s'est passé un fait divers dans l'actualité cette semaine. Je vais demander à Philippe Gueluc de le mimer à un de nos partenaires. D'accord? D'accord. On essaye. Alors, voici donc la chaussette d'abondance. C'est quelqu'un qui est allé aux toilettes dans une station essence. Ça s'est passé le week-end dernier. Et là, qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette toilette de la station-service? Une chaussette. Et dans cette chaussette, 45 000 euros, 300 000 francs. Il quitte la station essence avec la chaussette, sans prévenir le pompiste, et il va directement apporter la chaussette à la gendarmerie avec les 45 000 euros. Entre-temps, un couple dont le véhicule est immatriculé en Haute-Savoie vient demander à la pompiste si on n'a pas retrouvé une chaussette. Évidemment, la pompiste répond non, puisque la personne qui avait retrouvé la chaussette ne l'avait pas mise au courant. Aujourd'hui, donc, à l'heure où je vous parle, les gendarmes ont toujours la chaussette avec les 45 000 euros à l'intérieur. La personne qui avait retrouvé la chaussette, évidemment, a perdu les 45 000 euros puisqu'elle l'a rendue à la gendarmerie. Et on recherche toujours le couple qui avait laissé cette chaussette dans les toilettes de la station service. Il faut que vous mimiez tout ça dans le moindre détail à qui vous choisissez? Perry Cochin. Perry Cochin, c'est parti. Perry Cochin revient. On va voir s'il se débrouille, Sophie. Vous devez, Perry, retenir le mime que vous fait Philippe Gueluc et vous devrez refaire ce même mime. Attention. D'accord. Il conduit une voiture, il a mal au ventre. Clignotant. Vous pouvez commenter ce qu'il fait. Il se déshabille, il veut faire pipi. Non, il fait caca. Oui, j'ai l'impression que c'est ça.
Et... Chut. Attendez, je peux utiliser un accessoire. Ah, j'aurais pas l'accessoire, mais je prendrai du PQ. Alors là, je comprends. Ah oui, d'accord, il a trouvé des sous dans la chaussette. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il mime bien, Sophie, vous trouvez ? Oui, mais il n'a pas tiré la chaîne. Alors, la police arrive, il... oui, très bien, la ceinture. Voulez-vous sortir ? Ah, vous avez volé, vous avez trouvé ça, vous auriez dû le dire, vous l'avez volé. Tenez, je vous le donne. Au revoir, monsieur. Allez, on s'arrête là. Je comprends rien, là. Il va falloir mimer la même chose maintenant. D'accord. On peut applaudir Philippe Gueluc. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut rappeler toute l'équipe pour gagner du temps, parce que c'est un peu long ? C'est parti. Mmh. Tu traînes une vache. Non, je l'aurais fait comme ça. Tu conduis. On ne parle pas, Péricochin. Mais je peux pas les aider, parce que je n'ai pas compris. Mais tais-toi. Elle ouvre la porte. Là, elle sort de la voiture. Voilà. Elle ferme la voiture. Elle ferme. Quatre voitures, elle ferme. Même pas une voiture automatique. Deux. Je suis désolée. On tais-toi. Ne parle pas. Donc là, elle fait caca. Là, elle fait caca. Voilà. Pas de papier. Ah. Qu'est-ce que tu fais ? Prends un confetti. C'est pour s'essuyer. Ah oui. Ah, c'est un préservatif. Elle regarde dans un paquet et qu'est-ce qu'elle voit, miracle ? Une autre crotte. Non, de non, l'argent. Elle voit une fortune. Beaucoup d'argent. Des billets, beaucoup des billets. D'argent. Elle a trouvé dans un sac en plastique. Alors elle se met des billets plein les poches, elle va s'essuyer avec le dernier. Elle repart. Elle repart. Hop, elle repart. Hey, remets ta culotte, Péri. T'en avais pas. Non. Elle repart. Elle repart. Allez. Avec de l'argent plein les poches. Il y a un flic qui l'arrête. Un flic, t'as vu le flic ? Un flic qui l'arrête, qui lui demande ses papiers. Bonjour madame, hop. Et je me gratte, j'ai des poux. Elle a pas ses papiers, elle a oublié ses papiers. J'ai pas mes papiers. Oui, elle a pas de papiers. Alors elle veut soudoyer le gars. Il manque un élément important, Péric, que vous n'avez pas désigné dans cette histoire. Vraiment très important pour qu'il puisse peut-être retrouver l'événement d'actualité. Vous n'avez pas tiré la chasse. C'est ce qu'elle a dit, mais toi non plus, tu l'avais pas tiré la chasse. Vous pouvez peut-être montrer, même si vous n'en portez pas, vous pouvez peut-être le faire deviner, cet élément important. Des bas. Elle avait des bas. Des barésilles. Des chaussettes. Des chaussettes. Chaussettes. Voilà. Des chaussettes. Ça, c'est important. Ah, les chaussettes, c'est important. J'aime ta façon de mimer les chaussettes. Alors. Donc, alors. Donc c'est une fille ou un garçon ? On ne sait pas, on ne sait toujours pas. Si c'est une c'est fille. Tout Péri. C'est tout, Péri. C'est tout. On peut applaudir Péri Cochin. C'est pas fait. Alors. Est-ce que ça vous rappelle les uns et les autres un fait divers que vous avez lu dans les journaux cette semaine ? C'est quelqu'un qui s'est arrêté faire pipi dans un bois ou faire caca dans un bois et qui a trouvé de l'argent, une fortune. Où ? Au bois de Boulogne. Mais dans quoi ? Dans une forêt. Dans un sac, dans une chaussette. Dans une chaussette. Voilà, dans une chaussette. Mais voilà. Comment t'as reconnu le bois de Boulogne avec ce qu'elle a fait ? Mais c'est le physique qui me fait ça, tu comprends ? Quand j'ai vu, ça peut être qu'au bois de Boulogne, n'est-ce pas ? C'est pas loin du 16e, chérie. Alors, Jean Benguigui, ça, c'était pas dans le bois de Boulogne, c'est dans une station essence. Quelqu'un s'est arrêté à retrouver 45 000 euros dans une chaussette, a ramené la chaussette à la gendarmerie sans prévenir la station-service. Entre-temps, le couple à qui appartenait la chaussette est allé à la station-service. On leur a dit non, on n'a rien retrouvé, évidemment, puisqu'ils n'étaient pas au courant. Le couple est reparti. Les 45 000 euros sont toujours dans une chaussette à la gendarmerie de Grenoble et les gendarmes de Grenoble attendent aujourd'hui les propriétaires de cette chaussette avec 45 000 euros à l'intérieur. Il faudra, pour récupérer les 45 000 euros, savoir décrire la chaussette. Ah là, l'argent n'a pas d'odeur, mais la chaussette. Bravo Jean-Benguigui, bravo Péri et bravo Philippe Gueluc. Moi, maintenant, j'irai toujours faire pipi dans les stations-service. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh. Vous avez raison. Ramassez toutes les chaussettes à portée de main. Sophie Desmarais publie ses mémoires, les mémoires de Sophie aux éditions de Fallois. Il n'y a pas si longtemps encore, vous jouiez au cinéma avec Gérard Jugnot dans Fallait pas. Oui, et c'est un bon souvenir parce que Gérard est quelqu'un de sympathique. Et si on vous rappelait pour un rôle encore aujourd'hui au cinéma ?
Bah, il faudrait qu'il soit très court, parce que je suis un peu gaga. Bon, écoutez, je crois que vous nous avez prouvé le contraire ici ce soir. On était ravis de vous recevoir. Moi, Madame Sophie Desmarais. Merci beaucoup. Musique. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Il est en forme, notre Laurent. C'est pour vous, Annie. C'est le week-end, Annie. Oh, nom de Dieu. Il rététise. Vous nous garderez des petits. Un peu de musique, Annie? Volontiers, cher Laurent. Je vous offre cet album de Victor Laszlo. Tout le monde connaît Victor Laszlo qui chantait le canoë rose ou qui pleurait les rivières dans les années 80. Eh bien, sort la semaine prochaine un nouvel album qui s'appelle Loin de Paname. Après avoir été mannequin, actrice à la télé, au cinéma et même au théâtre, récemment dans L'Hôtel des Deux Mondes, une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est avec des chansons françaises des années 20 et des années 30, revisitées à la mode cubaine et caraïbe, qu'elle fait son comeback. Je vous demande de tester tout de suite celle qui sera au théâtre de Ménilmontant à partir du 1er octobre pour un spectacle musical qui s'intitulera, comme l'album, Loin de Paname. Voici Victor Laszlo. Très bien, Victor. Très bien. C'est toujours drôle de l'appeler Victor, moi. Oui. Ah, je vous appelle Monique, si vous voulez. pas devant tout le monde. Victor Laszlo, ravi de vous retrouver. Où étiez-vous ces derniers mois? J'étais là. J'étais en France, en Allemagne. Au Japon, en Italie, un petit peu partout. Ah oui, j'étais, là, que... j'étais sur cette planète, en tout cas. Là, vous revenez à Paris, en tout cas, dans un théâtre, le théâtre Ménilmontant. Vous n'avez pas reprise, d'ailleurs, cette chanson Ménilmontant. Pas sur le disque, mais dans le spectacle. Ah, je m'en serais douté. On va tout de suite regarder ensemble un extrait de l'enregistrement du disque Loin de Paname. Victor Laszlo. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça, je peux te le jurer. Si jamais la la la, la la. Sûr que la 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 la, mon amour, je vous aime. Je vous aime. Victor Laszlo, alors l'originalité de cet album, c'est que c'est vrai. Des grands succès, j'allais dire parisiens, oui, en quelque sorte, en tout cas, très français, parisien, des très années 20, parisien. Des années 30, mais revisité musicalement, façon cubaine. Ça, c'est assez chouette, quand même. Ben oui, ça m'a donné la possibilité de faire le chemin, mon chemin à l'envers, c'est-à-dire traverser l'Atlantique dans l'autre sens et retourner dans la Caraïbe, parce que je suis caribéenne. Oui, voilà. J'ai lu que votre maman était originaire de Grenade. Oui, c'est exact. C'est ce qui explique que vous soyez une bande. Écoutez, Loin de Paname, toute l'équipe. Ah, par qui je commence? Regardez-les se précipiter, bonne de chacun. Ah, c'est le moment que je crains depuis un an et demi. Vous aviez peur? Mais oui, parce que je vous regarde tous les soirs pratiquement et je me dis un jour je serai là. Vous avez devant vu, six personnes. Des vedettes qu'on a assassinées. Des vedettes qu'on a tuées, qu'on n'a jamais revues depuis. Jean-François, c'est nous. Allez, moi, je l'ai écouté. Vous voulez commencer? Je prends la parole. Puisque c'est vous, on va commencer par Philippe Gueluc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Victor. Nous avons écouté ce disque passionnément dans les loges avant l'émission. Écoutez, c'était une vraie école de samba. Ah bon? Non, pourtant, je ne pensais pas avoir fait de samba. Je ne vous ai pas interrompu. Je disais, c'était une vraie école de samba parce que, bien entendu, il n'y a pas de samba sur ce disque, mais ces rythmes sud-américains ont semblé mettre le feu au sang de Jean Benguigui, qui est venu m'inviter à danser la samba dans ma loge. Il vous attendait, il était impatient que vous arriviez. Vous faisiez les sambas dans le couloir en attendant. Les sambas? Non, m'encouragez pas non plus. Non, mais c'est pas mal, Laurent, pour une fin de semaine, je trouve que c'est pas mal. Péricochin, alors. Ah, Péricochin. Vous devez insister pour que je dise ce que j'en pense, parce que là, vous m'avez mouché tout à l'heure. Allez-y. Péricochin. Qu'est-ce que vous en pensez, Péri? Ah, voilà. Au Péri. Bon, voilà. Ouais. Non, alors, quand je... Péri. On n'a pas besoin d'insister beaucoup, hein. J'ai pu l'écouter hier. Péri, dans votre Jaguar, on va écouter le CD. Non, je l'ai écouté chez moi. Quand je l'ai mis, je me suis dit, merde, encore une reprise. Ah, vous mettez vous-même les disques. Ce n'est pas le bagoulard qui les introduit dans le chariot. Vous avez une télécommande. Alors, donc, non, je l'ai écouté, je me suis dit, c'est pas possible, encore une qui part sur les chansons anciennes, reprises, etc. Et puis, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai trouvé ça formidable. J'adore que tu te laisses prendre.
Elle m'a tendu la paire. Je te la passe. Elle m'a tendu la paire, Florent. Et c'était super, vraiment, je le recommande. Merci, merci. Oh, bah, ça commence plutôt pas mal. Oui, continuez comme ça. Annie Lemoine. Hops. Ah oui, c'est pas. Non, vous savez pourquoi je fais hops? C'est une brute, parce que Annie, oui. quand vous avez demandé si tout le monde l'avait écouté, vous n'avez pas bougé. Donc, ah, moi, je ne bouge pas beaucoup. Non, non, non. J'ai deux jours, en tout cas. Elle bouge, mais bon, je la croise de temps en temps près de chez moi. Donc, vous la croisez près de chez vous? Oui, elle ne me voit pas. Je ne reconnais personne, donc je ne vous ai sûrement pas dit bonjour. Non, avec ce qu'elle vient de dire, tu ne peux plus balancer, là. Dès les 5 premières secondes, j'ai dit... Mais vire ce truc derrière toi. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des oreilles, oh. Oui, mais non, moi, dès les 5 premières secondes, j'ai dit absolument génial. J'ai adoré vous retrouver là-dedans, je trouve ça magnifique, et c'est stupéfiant, parce que ce sont des paroles qui datent du début du siècle dernier, et c'est terriblement et moderne. Qui sont actuelles, qui sont totalement Et vous donnez actuelles. L'explication, alors je vais prendre vos mots à vous, ils sont beaucoup mieux que les miens, finalement, vous dites... Oh. C'est une femme sensuelle, entière, sans masque, fragile, un peu cassée par la vie aussi, que je chante et qu'on retrouve là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver, moi en tout cas à fond. Je pense que c'est la femme d'aujourd'hui, ni plus ni moins, et qui ose plus dire les choses, dire ces mots, parce qu'on n'utilise plus tous ces mots aujourd'hui. Victor, oui, c'est fou ce que je peux t'aimer. C'est vrai. Ce que je peux t'aimer comme ça, des fois je voudrais crier parce que j'ai jamais aimé comme ça. Un disque. Mais c'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un truc magnifique. Moi, je suis très sensible à cette époque de chanson. Je suis... Bon, moi, Jeannot pleure pas. Mais non. Bon, c'est vrai que Magresse. Ma... Non, je trouve. Attends. Non, moi, je voudrais que Magresse. Il va nous faire une déprime. Mais non, mais à quoi? Mais non, il est ému. Magresse. Regarde, il revient dans sa jeunesse. Ses cheveux repoussent. Et Magresse. Et c'est vrai que Victor, malgré ce physique ingrat que vous avez. Oui, certes. Je vais aller vous voir au théâtre quand même. Oh, Loi de Paname, c'est un album. Vous me l'avez piqué l'album. Ah, mince alors. Elle envoie les albums, elle les reprend. Il est là, Loi de Paname, Victor Laszlo. Et le spectacle, c'est à partir du 1er octobre au théâtre de Ménilmontant. C'est mis en scène par Caroline Loeb et puis après partout en France. Vous restez avec nous pour le Kick Avec Qui. C'est parti. Alors, première photo du Kick a vu qui, à vous de retrouver qui c'est sur cette photo. C'est Laetitia Casta. Laetitia Casta, bravo Victor Laszlo. Pas facile, hein? Merci. Ah oui? Comment vous l'avez retrouvée? À la bouche. À la bouche. La bouche avec Marie Laforêt. Oui, c'est vrai. Ouais, et la bouche de Laetitia Casta. Bravo, un point pour notre invité. Autre Kick a vu qui? Carambeu. Hillary Clinton. Pas tout en même temps. Adriana Carambeu, Sophie? Oui. Non. Ça, c'est le mariage d'Aznar, non, ça? Mais non, on dirait Sophie d'avant. T'es pas Sophie d'avant. C'est Sophie d'après. Oui, c'est vrai. Poser des questions. Oui, c'est au mariage d'Aznar, effectivement. C'est au mariage d'Aznar. C'est une Française? Non, elle est très connue, hein, très connue. C'est une mannequin. C'est un mannequin. La femme Ivana Trump. Non. Mannequin, on peut pas dire, mais enfin, elle est connue pour son physique. Je la connais personnellement. Je pense que si vous êtes allé à Malibu, vous l'avez rencontré. Bah, Pamela Anderson, bravo. Reconnaissable, hein. Là, oui. Ah ouais. Là, oui. Là, évidemment. Vous êtes à la bouche, toujours. Hein. Toujours la bouche, oui. Comment vous pouvez la reconnaître à la bouche, c'est pas la sienne. Justement, parce que c'est une qu'elle a piqué. Allez, autre qui a vu qui? Ah, c'est pas il faut reconnaître. Allez, quatre. Les Dalton. C'est assez compliqué, je dois dire. C'est un congrès de lifting. Cher. Il y a Cher. Non, c'est pas Cher. C'est un congrès de lifting avec les quatre gagnantes, non? Les quatre perdantes, tu veux dire, parce que là, c'est un peu dur. Il y a un homme. Il y a quatre hommes. Alors, l'homme. C'est l'homme qui dit bonjour. Des Françaises? Non, pas du tout. Oh, bah alors, tu peux. Arrêtez de dire des Français. Il y a un homme dans l'eau, quand même. Ils sont très connus. Ils sont très connus. Jamais totalement. Alors, Ils sont très connus, Laurent? Bah, très, très connus. C'est peut-être pas la main dans de l'homme, quel c'est peut-être milieu? La. Alors, si je vous dis par exemple que c'est le 50e anniversaire d'un célèbre film musical. Debbie Reynolds. Non. C'est le film du Dr. Marsh. Non. Non, c'est West Side Story avec la. Non, c'est non, pas West Side Story. C'est un Minnelli. Si vous dites Jane Kelly. Jane, oui. Singing in the Rain? Chantons sous la pluie. Sous la pluie. Sid Charisse. Donald O'Connor, Rita Moreno. Et Rita Moreno. Qui a 91 ans. Ça ne rajeunit pas. 50 ans du film. Allez, autre qui a vu qui? Azuki.
Non, c'est pas Krasuki. C'est le fils de Krasuki d'Alain non. Juppé. Non. Oui, oui. Le frère de Barthez. C'est quelqu'un dont on parle très, très souvent. Langlois, le PDG de la SNCF. En tout cas, c'est un garçon, PDG si jamais... PDG de la SNCF, non. C'est pas Langlois. Ah, ça parle pas d'Angois. C'est PDG la PDG de la SNCF, c'est sûr. C'est le PDG de la SNCF, exactement. Je vous l'accorde, c'est monsieur Gallois. Gallois. En tout cas, bravo Jean-Bendigui. Et sa place est en jeu. Tous les grands patrons, hein, France Télécom, les postes de télécommunications, là maintenant, la SNCF, on dit qu'il pourrait sauter lui aussi. C'est un monsieur, s'il devient myope, il pourra mettre des lunettes, il peut les tenir. Et il paraît que c'est lui qui a servi de modèle pour le saladier de Jacob Davis. Oh, c'est pas gentil, ça. Le couple gagnant, je tiens à le dire, le couple gagnant, mais je sentais bien que ce couple était en train de se former, c'est Jean-Bendigui et Victor Laszlo. Bravo. Ma femme, si tu m'écoutes, c'est pas vrai, c'est Lucie. Allez, embrassez, embrassez. Et pendant ce temps-là, je vous dis, on se donne rendez-vous lundi, demain soir, première émission de Christine Bravo, nouvelle émission, ne loupez pas, s'appelle désormais Douce France. Dimanche soir, Michel Drucker avec toute l'équipe Gueluc, Bénichou et bien d'autres, et l'invité Fanny Ardant. Victor Laszlo à partir du 1er octobre au théâtre de Ménilmontant. Ménilmontant. Je la connais pas encore, hein. Je bosse. Bah alors, d'ici au 1er octobre, vous avez le temps. Bye bye, bon week-end.